The atmosphere on the grid is electric. Lights out, the two Audis from the front row getting a great start. And the yellow flag waving, but the Audi's gone through, and that's a change of lead. So we're just a little over halfway through, isn't it? How are the tyres? Norman, he's been on his head. No, not quite. A tactical roll of the dice by Audi and a gamble from Toyota. Toyota win! The 6 hours of Fuji! What a race! Can we earn some dry winters? Thank you very much. I appreciate it. 6 hours on the clock. Oh, Amy coming down the outside! Here's the Audi going down the outside. Hybrid power deployed. Magnificent manoeuvre and forged back to one and two, but dives to the inside and does get through. That's a chicken tag, man. Good job. Carl, we're consistent the whole way out. Thanks, Timo and Mark, everyone. World champions, baby! And for the last time in 2016, 6 hours has been put on the clock and we're racing. On the outside for Fesnack. Can he make that sick? He can. I'm a flumster, flumster. Oh, no power. That exhaust smoke?
Anyway, you won the race, Vic Dalby, for an amazing year. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour la seconde course en LMP2 pour les qualifications sur la LMP2 en ce qui concerne le championnat WEC de la saison 2017-2018 avec la Team TAWEC. Donc nous avons plusieurs pilotes qui participent à cette épreuve, dont évidemment moi, Jimmy TAWEC. Donc on va retrouver, pour vous dire, en première position, Taya, suivi de, si j'arrive à faire un point, Mister Venom en seconde position, en troisième, Atomic, suivi de Jimmy TAWEC. En cinquième position, nous retrouverons un invité de la TRBR, Bro. Et voilà. C'est ça. Je vérifie vite fait un petit truc. Et ah oui, nous avons KNG Venom qui s'est invité aussi pour rouler un petit peu avec nous. Voilà. Donc tout de suite, le départ va être donné sur cette ligne droite. La ligne droite des stands qui s'appelle l'International Pit Straight. Allez, on va lancer donc la course, les amis. Attention, le top départ va être donné. Et ça est parti. Apparemment, un faux départ pour le pilote en seconde position. Et un pilote qui démarre pas, qui a beaucoup de mal. Bon, ah oui, c'est normalement notre commentateur. Voilà, attention, trois pilotes de front. Trois pilotes de front, comment ça va se passer? Nous avons Venom au premier virage à la baie. Attention, le farm cube, ça passe. Venom qui passe, suivi de Taya. Taya qui est en troisième position. Attention, les trois pilotes de front, ça se tient à très très près. On va attaquer maintenant le virage sur cette seconde ligne droite du National Pit Straight. Attention, ça passe nickel. Oh là là, attention, le freinage dans le virage de Cops. Virage Mago. Le Beckett passé sans encombre. Les virages qui s'enchaînent et les pilotes qui se chamaillent pour essayer d'avoir leur pole position en LMP2 pour la saison 2017-2018 pour le championnat WEC de la Team TAWEC. Oh là là, attention, le virage très 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 dur sur le Storm. Et ah oui, KNG Venom qui rentre au stand dû à une pénalité. Il était parti avant, comme on a pu le voir sur le replay, il était parti avant. Donc tout ça va se jouer entre Venom, entre Taya et Atomic. Suivi, si c'est ça. Est-ce qu'il va ressortir au même moment ou pas? Non, les pilotes sont passés devant. Donc, ce qui nous fait... On va regarder maintenant. Oh là, attention. Un freinage très très serré pour les deux pilotes là. Oh là, ils partent tous les deux à la faute. Et Atomic est parti à la faute. Qui a laissé Taya prendre donc du coup la seconde position pour ce championnat là. Un petit tour en caméra embarquée. Ce
Attention. Sur ce magnifique... Oh là, attention. Les voitures qui ont pas d'ABS apparemment. Chose qui est pas évidente à gérer. Je laisse avec cette magnifique caméra embarquée. On voit bien le reflet du soleil sur ce jeu de caméra. Avec les virages de Beckett. On va arriver sur le dernier virage Chapal. La ligne droite de Anger Strait. On va regarder maintenant un peu au niveau du classement ce qu'il en est. Donc en première position, nous avons qui... Si j'arrive à essayer de choper le nom du pilote, ça serait super. Je crois que c'était Venom. Si je ne m'abuse. Qui est en première position. Suivi de Atomic. Deuxième. Taya. On voit maintenant que l'écart se creuse un petit à petit entre les pilotes. Ils sont plus trop collés. Je vous rappelle que ces courses ont été faites pour pouvoir départager le nombre de places méritantes pour les LMP2. En ce qui concerne la catégorie WEC pour la saison 2017-2018. Avec, vous retrouverez donc en LMP2 les Alpine A450 et les Oreca de l'écurie Nissan, puisque c'est les deux seules écuries LMP2 que nous avons de logique dans ce jeu. Après, tout ce qui est RWP 20, nous les prenons pas car ce sont des voitures qui sont qui ont été imaginées pour le jeu. Alors, on en est où sur ce classement? Un petit récupératif. Enfin, voilà, un petit résumé. Excusez-moi. Alors, en ce qui concerne le premier pilote, je pense que... Si je dis pas de bêtises, il s'agirait de... Oh là, attention, avec un tête-à-queue du leadership de la course. Une course qui se déroule sur 8 tours sur ce circuit britannique, le Silverstone, qui d'ailleurs vous pourrez le retrouver sur le championnat. Oh là, avec un. Oh là, oh, ça sautille là hein, pour le pilote en MP2. Apparemment, il met pas mal d'avance. Il met un gros trou d'avance pour les autres pilotes là. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc oui, comme je vous disais, c'est un circuit que vous retrouverez sur le championnat WEC. Puisque nous commencerons par le prologue Bugatti. Le prologue, excusez-moi, Monza. Puisque nous irons sur le circuit de Silverstone. Et ensuite Spa-Francorchamps, Le Mans, le Nürburgring, le GP. Comme nous n'avons pas Mexico, nous irons à Bathurst. Nous nous arrêterons, je pense, sur Bathurst pendant une trêve de vacances pendant 2 mois. Puis nous repartirons sur le Wakingsley GP, Sakito GP, Zouaia International. Le circuit de Zouaia International et Bahreïn pour finir cette épreuve de championnat. Oula, avec une touchette apparemment, les pilotes qui se sont pas trop compris sur le pilote qui a bien ralenti. Alors on va essayer de voir s'il a pas eu un souci. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, à mon avis, il a écopé d'une pénalité et le pilote derrière qui va le rattraper. Le pilote invité de la team Tawek. Attention sur ce virage assez serré. Il va le laisser passer, attention. Ah non, 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 il joue le jeu, il joue le jeu, il va... C'est bien joué de sa part. Allez, une petite bataille, ça fait pas trop de mal. On voit les deux pilotes un peu se chamailler, c'est sympa. Ça fait du spectacle, et c'est ce qu'on recherche, et c'est ce qu'on veut vous faire partager sur ce live. Voilà, attention. Oh là là, attention, les deux pilotes serrés au coude à coude. Avec, je vais essayer de voir qui c'est, Jimmy Tawek. Donc, moi et Atomic. Atomic, attention, dans les virages, les derniers virages sur ce troisième tour. La fin de ce troisième tour. Ça va, c'est passé, les pilotes. On n'a pas eu trop de mal à se faire entendre. Genre, la bataille entre Atomic et Jimmy Tawek. Attention, c'est collé serré. Oh là là là. Oh là, les deux pilotes qui portent à la faute. Et Jimmy Tawek qui glisse dans le bac à gravier. Va vite rattraper son retard. Attention, il laisse passer. Oh, oh, une touchette avec le pilote invité. C'est vachement dans le fair play de la part du pilote qui le relaisse passer, puisque je vous rappelle qu'un pilote qui est invité juste pour la course comme ça, pour faire plaisir. Voilà. Mais ce pilote ne comptabilise pas sa place pour les LMP2. Ce qui fait déjà partie d'une autre team. Allez, on va rester un peu sur Jimmy Tawek qui va essayer de revenir sur les pilotes. Apparemment, il a pas mal de retard. Alors, où est-ce qu'on en est au début de la course? Oh là, ça tank dans tous les sens là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Alors, oh là. Qui connaîtrait des difficultés avec sa voiture. Je trouve ça complètement bizarre. La façon dont la voiture se comporte. Allez, troisième pilote. En tout cas, nous vivons une magnifique course en ce qui concerne les pilotes en LMP2. Et fort heureusement, par rapport au nombre de pilotes, tous les pilotes qui sont dans cette catégorie auront automatiquement, sauf deux pilotes qui se sont rajoutés, auront automatiquement leur place en LMP2. Dû à un manque de présence de la part de certains pilotes qui ne se sont pas présentés au rendez-vous, à l'appel, ou tout simplement par chance aussi par rapport aux places restantes. Donc, que je vous rappelle, pour la saison 2017-2018, vous retrouverez effectivement sur le programme de la team Tawek 4 LMP1 avec 2 Audi, 2 Toyota, 6 LMP2, puisque nous avons réduit le nombre en GT3. Et donc 3 Alpine, 3 Oreca. Et grande nouveauté, nous sommes les seuls à l'avoir mis en place, la catégorie LMP3. Oula, avec un tête à queue, un tête à queue du pilote. Attention, on va essayer de revenir sur ce pilote. Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Ah, ça y est, le pilote a pu repartir, heureusement. Un circuit assez piégeux, comme vous avez pu le remarquer. Et tout dépend les saisons sur ce circuit. Vous remarquerez que même en vrai championnat, il y a beaucoup de spectacles dans le WEC. Que ce soit la bataille entre les GT3, les LMP1, les LMP2, ça se chamaille assez pas mal. Et c'est très dur de pouvoir dépasser comme on veut. Puisque c'est un circuit qui, je vous le rappelle, est composé quand même de... on va dire, je pense qu'il est composé de 18 virages, c'est ça, hein, 18 virages qui font ce circuit assez assez dur. Moi, je le trouve assez complexe. Voilà. C'est un circuit qui accueille le MotoGP, qui accueille la Formule 1, les Grands Prix de F1. Donc, assez réputé, assez connu. Sur une distance de 3 km je pense 3 non excusez-moi 5 km 891 donc c'est vraiment le circuit où il va falloir si on a envie de grappiller des points, c'est là où il va falloir jouer la carte et travailler beaucoup. Puisqu'après, les pilotes, la plupart des pilotes vont connaître le circuit de Spa-Francorchamps, même si le circuit de Spa-Francorchamps est très pas technique, mais piégeux à certains moments, notamment à la tombée de la nuit. Des circuits comme Le Mans aussi, Nürburgring, vous retrouverez aussi un circuit assez assez sympathique mais complexe. Par rapport à ces virages un peu en équerre, je pense notamment au virage à la fin de la ligne droite des stands, ce virage tout à droite là, assez compliqué à choper. Et bien sûr Sakito et Bahreïm, un circuit énormément du moins Dubaï pour nous, un circuit assez compliqué aussi à gérer, mais très intéressant. Et les pilotes sont là justement en entraînement durant cette année sur la saison de WEC. Alors, on va revenir vite fait sur la course. Les deux pilotes, les deux premières positions qui... ont pas beaucoup d'écart, hein, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne le troisième pilote, il est assez loin. Quatrième, encore un grand écart à faire. Et cinquième pilote qui a pas mal de mal à remonter la pente. À mon avis, il a dû connaître pas mal de sorties de piste. Allez, on va arriver, on est à 2 minutes 16 de la fin de cette épreuve qualificative. Les deux pilotes aux deux pole position, qui sont donc attendez que je voilà, j'essaye de me recentrer sur les deux pilotes avec toujours ce bug de caméra avec... qui est un petit peu embêtant devrais-je dire. Voilà, allez, il reste plus que 1 minute 30 à tenir et un arrêt au stand. Un arrêt au stand pour quel pilote? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un souci mécanique? Qu'est-ce qui se passe? Ah, à mon avis, il lui manquait de l'essence. Ah oui, il lui manquait un peu d'essence. Alors, est-ce qu'il va jouer... est-ce que ça va jouer sur sa place?
Les pilotes qui commencent à se rapprocher tout rapide hein, de. Ah ça va, il a quand même pas mal d'avance. Ouais, il a quand même pas mal d'avance, ça va. On va vite retourner sur lui, il est toujours au stand. Le pilote qui s'approche, toujours au stand. Attention, les deux pilotes. Ah, deuxième pilote qui arrive, troisième pilote aussi. Donc c'était la fin de cette course en LMP2. Effectivement, j'avais compté un tour de plus, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Donc en ce qui concerne le classement, vous le retrouverez sur la page de tout de suite après cette vidéo. Et les noms des pilotes. Donc il s'agit les pilotes qui sont qualifiés pour cette épreuve vont être. Donc là, nous avons Umbro qui ne roule pas dans la team. Ensuite, Taya qui ne roule pas sur cette catégorie, je pense que je dise pas de bêtises puisqu'il a obtenu ah oui, il a obtenu son pilote voilà, Taya et Umbro sont les deux pilotes qui ne rouleront pas dans cette catégorie-là. Nous avons donc Jimmy Tawek, suivi de. Attendez, hein. Je vais essayer de faire un screen comme ça. Jimmy Tawek suivi de Venom, je pense. Non, pas Venom. Attendez, voilà. Puisque Venom est resté au stand, voilà. Voilà. Alors, 2 petites secondes, je ressors les fiches parce qu'apparemment un petit problème de d'image au niveau en ce qui concerne, on va dire le jeu là. C'est un petit peu dommage. Alors, 2 petites secondes, hein, ça. Merci d'être indulgent. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. C'est pas celle-là non plus. Donc dans la logique, vous rentrez pas dedans. Vous êtes les 4 premiers sûrs à avoir votre place en LMP1. Hein. De toute façon, c'est les premiers servis, les premiers arrivés, on va dire. Hein, donc voilà. Hein. Salut. Salut. Allez. Sur mon premier virage, ça passe nickel. Voilà. Parti en glisse atomique. Mais je sais pas, la mine, elle a un problème de blocage de roue. Ah, c'est. Ouais. Vu qu'il n'y a pas d'ABS, c'est normal. Ouais. Bon, allez, on va commenter. Donc, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de la Team Tawek, sur la chaîne YouTube de la Team Tawek. Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne la course pour les LMP1, on va donc être sur le circuit de Sakito, sur 8 tours, comme vous pouvez le voir, avec 4 pilotes qui sont sûrs d'avoir leur place en LMP1 pour la saison 2017-2018 en ce qui concerne le WEC. Donc on va retrouver KNG Venom en première position, Romain Gentil second, Taya
troisième et Atomic 43 qui a l'air d'avoir beaucoup de mal. Mais bon, c'est un coup de main, vu qu'ils conduisent sans ABS, c'est un coup de main à prendre, voilà. À savoir que ces pilotes-là sont sûrs d'avoir leur qualification et leur baquet en LMP1, puisqu'il n'y a pas d'autres pilotes. Et c'est les 4 premières places à décrocher dans cette catégorie. Donc à la fin de ces 8 tours, on retrouvera la catégorie LMP2 pour pouvoir décrocher les places restantes en ce qui concerne les écuries Alpine et Orica. Donc là, toujours pareil, le même procédé avec le nombre de places restantes, c'est-à-dire je pense qu'il y a 3 places en tout et pour tout. Donc vous allez voir beaucoup plus de spectacles sur cette course en LMP2 qui va se dérouler sur le circuit de Silverstone GP. Et on roulera sur une durée de 8 tours également. À la fin de la catégorie donc LMP2, donc là tous les pilotes en LMP2, sauf ceux qui ont décroché leur place en LMP1, vont rouler en LMP2. Et les pilotes qui n'auront pas réussi à décrocher leur place en LMP2 partiront automatiquement sur la catégorie GT3. Et là encore une nouvelle fois, une nouvelle course sur le circuit de Brembo avec 6 tours, puisque c'est la plus petite des catégories en WEC. Et là, les 5 premiers pourront choisir leur écurie dans les... La catégorie GT3, à savoir RUF, Mercedes, BMW, là, je pense que la Z4, oui, sauf la BMW M3, qu'ils ne pourront pas prendre puisque c'est une voiture surcheatée, quoi. Voilà. Ah, Atomic qui part encore à la faute sur le second secteur là. Attention, pilote qui arrive. On va revenir sur KNG Venom qui tourne à 1,29,197. Derrière lui, Romain Gentil qui le suit de très près à 1,29,273. Taya, pas beaucoup loin, mais ça va, il suit la cadence à 1,31,703. Oh là, attention. Un petit combat entre Venom et Romain. C'est sympathique à voir. Ah, je pense que oui. Ouais. Je pense que tu. Atomique, tu. Ouais. T'as abandonné. Donc il restera. Vu que tu as abandonné, à savoir sur la course en LMP2. Le premier qui arrivera en LMP2 décrochera sa place en LMP1. Le second, le troisième, le quatrième prendront les places restantes en LMP2. Donc ça vous complique un peu plus la tâche, mais à savoir que c'est un peu plus intéressant. Bien évidemment, tous les pilotes qui ne sont pas venus au rendez-vous pour les courses qualificatives. S'ils désirent rouler avec nous, rouleront en GT3 automatiquement. Voilà, c'est l'enjeu, hein. On va pas pénaliser les pilotes qui auront participé, hein. C'est le jeu qu'il fallait respecter les règles dès le départ, tout simplement. Allez, mesdames, dans son cinquième tour. Oh là, Venom et Romain Gentil qui tournent pratiquement sur la même cadence. Et Taya qui améliore en 1,29,273. Non, 1,29,970, pardon. J'étais sur Romain Gentil. Thank you.
Ah putain. P2 aussi, y a pas la BS. P2, c'est une autre catégorie et il faut juste regarder les aides qu'ils ont eux. Voilà. Puisque de toute façon, pour le championnat, les pilotes qui auront, par exemple, qui seront en P2 et qui auront, admettons, l'ABS, mais pas le contrôle de traction ou effet inverse ou quoi que ce soit, il faudra qu'ils s'habituent à rouler avec ce. Oui, je crois, non. Non, là, non. Vu que j'ai mis en truc par défaut, non, dans la logique, enfin, par défaut, façon de parler, quoi. Dans la logique, non. Vous avez pas l'usure de l'essence? Oui. J'ai regardé justement ce truc en P2, puisque j'ai un petit bug sur les aides en LMP2. P2. Tu vois que ça a passé en deux tours 10 litres? Je sais pas. Aide. En vrai. La conduite. Non, ça va pas passer. Alors. Pas possible, je l'ai pas touché en plus. Eh ben dis donc, si on regarde le moteur pour une LMP2, juste comme ça, un petit paragraphe, ah non, le prix des voitures, tout simplement, en LMP1, pardon, excusez-moi, il est de 388 500 euros. C'est assez sympa. Et par contre, les prix ne doivent pas excéder les 463 500 euros. C'est un truc. Et le moteur en lui-même, il vaut 86 778 euros. Ça fait tourner la tête un peu tous ces chiffres. Moins cher que la Formule E. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme aide exactement? Ok. Voici, finalement, ça va passer. Il me reste 6,5. Alors, j'ai vraiment un coup de chaud. Allez, dernier tour pour nos Ouais, je pilotes vais qui sont essayer sûrs d'attaquer de. Ah, Taya, un abandon? Non. Ah, je voyais dans les stands. Non, c'était une erreur d'affichage. Ouf. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pardon, je Ça va, rattrape ça le va. troisième, je rattrape la passe, Ah ouais. je roule tranquille, peinard. Ça va, ça va.
Donc à savoir que les pilotes restants là automatiquement 3 places. Enfin, la première place en LMP1 et les 3 autres places en P2. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, dernier tour avec Venom. Romain Gentil et Taya. Puisque Atomic a abandonné. Mais Atomic, tu participeras à la course en LMP2. Voilà. Ouais, P1, 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 P1. Voilà. Bon, bah. Un grand bravo aux Putain. trois pilotes qui sont arrivés Ouh. aux trois premières positions. C'était un peu facile, hein. Donc, Bon, bravo à Venom, Romain Gentil et Taya. Voilà. ah, désolé de pas avoir parlé, j'étais trop concentré. Je vous avais muté en fait. Pas de soucis. Ah moi c'est, je crois, je sais pas si c'était sur moi, mais au troisième tour je me suis tapé une chicane. Je me suis pas retourné, mais ça m'a fait sauter, mais j'ai directement raté sur la piste au lieu de partir en couille, tu vois. J'ai eu trop de la flatte. Voilà. Ah, j'ai battu mon record en plus. On va faire un beau trio. Et moi, c'est une 28 356. J'étais pas loin. Alors. Putain, quand je t'ai vu me remonter, j'étais en mode putain merde. R2, non, c'est pas ça. Et là, je vois à la fin de la ligne droite, pouf, le mec qui part en catacœue, j'étais oui! Ah ouais, là t'as eu chaud parce que là je revenais sur toi comme un avion de chasse. Ouais, mais je en fait mes premiers tours, tu vois, ça faisait, j'ai fait une 28, après ça a passé que des une 30 parce que je stressais trop, tu vois. À la fin j'ai fait bas les couilles, j'ai fait une 28 400, une 28 300, une 28 300, tu vois. En fait mes trois derniers tours c'est tous des une 28 en toute 500, tu Bah vois. les gars, un petit salut à toi qui vient d'arriver. Un petit commentaire pour vos premières places. Alors, on va commencer par le premier, hein, Venom. Un petit commentaire Bah. pour cette pole en LMP1, hein, content d'avoir décroché ton siège. Ah, depuis le temps que je l'attendais. Enfin! Ouais, je la voulais celle-ci. Voilà. Donc, tu sais que bah, vu que tu es en première position, tu as le droit à choisir. Soit Audi ou soit Toyota, tu veux rouler chez qui? Toyo. Toyo, ok. Donc on te retrouvera toute la saison en Toyota. Voilà. Romain, un petit commentaire? Bah, je doutais pas de mes capacités, mais j'avais un peu d'appréhension face aux autres concurrents, mais je pense qu'on va faire on va Ouais, vous vous avoir de belles tenez, balles en au plus, vent. vous vous tenez au niveau des temps, hein, c'est vraiment collé, puisque, à savoir que Venom, il était en 1.28 356, toi, Romain, en 1.28 695, et Taya en 1.28 780. Donc, vous aviez Alors, moins d'une seconde, vraiment, quoi. voilà, vraiment moins d'une seconde entre chaque truc, et c'était assez sympa à voir, quoi. Voilà. Donc, par contre, Romain, tu peux rouler en chez qui, en quoi? Ça dépend si Venom il veut m'avoir chez Toyota. Y a pas. Eh merde. Venom il veut m'avoir chez Toyota? Mais attends, tu peux me dire déjà qui a. Parce que les autres qui sont déjà pris, ils avaient choisi ou pas? Non, mais là, oui, normalement, dans la logique, hein. Si je regarde ma liste, les gars, hein, si je regarde ma liste, 2 secondes. Dans la logique, vous étiez au moins une dizaine. Enfin, façon de parler, c'est peut-être, j'ai fait peut-être le Marseillais, mais il y avait Tomate qui voulait rouler, Venom, Romain Gentil, Atomic 43, Rocossi, Kenzo, attends, Kenzo, Taya et Coolmabiche.
Voilà, bon après Koulmabich il avait changé pour repartir sur de la P2 là en dernier truc donc voilà ça c'est fait mais normalement vous étiez nombreux à vouloir rejoindre les rangs des catégories LMP1 donc vu que comme on a dit ceux qui ont participé à l'épreuve sont automatiquement sélectionnés pour la catégorie LMP2 LMP1 pardon sauf ceux qui ont abandonné ou ont été disqualifiés puisque voilà c'est le but hein, il faut la tenir la voiture donc on redonnera la place à celui qui a été en abandon ou qui a eu des pénalités ou un problème avec sa voiture au premier pilote de la catégorie LMP2. Voilà. Et le restant bah, se départageront le restant des places en LMP2 qu'il y aura quoi. Tout simplement. Voilà. Donc là, tu peux prendre soit Audi ou soit Toyota sans problème. Là, il reste une place chez Toyota. Ouais, je vais avec Venom chez Toyota. Attends, 2 secondes. Voilà. Non, en fait, Non, dégage. non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je le note, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc, ben, Taya, bravo pour ta 3e place. Tu vois, toi qui râlais d'être en GT3 la dernière fois, au final, hein. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de la course? Ça va, t'as. Bah c'est il va falloir que tu gères un peu plus mais par rapport au temps j'ai vu que tu t'arrivais à racoler et puis t'as terminé les 8 tours. Voilà, de toute façon vous êtes là pour voilà. Par contre Taya tu rejoindras Fek Emrik. C'est pilote qui voulait rouler en LMP1. Voilà. Mais je crois qu'il voulait rouler avec Romain, mais vu que il roulera en Audi. Voilà. Oh, comment t'as retourné ta veste? Ah ouais, là, il va pas être content. Ah bah, c'est soit il accepte d'être en P1 et roule en Audi, ou soit s'il est pas content, mais il ira en GT3. Tout simplement. Et le premier, le deuxième, pardon. Non, le premier en LMP1 ira, enfin en LMP2 ira en LMP1, tu vois. Ah moi je peux faire mon chien si je veux aussi. Hein. Mais bon, vu que il a pas pu venir, donc j'essaye de l'arranger au mieux et pour le mieux. Et je le tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. Donc là, on va poursuivre. Pardon. On va construire la course sur la LMP2 directement. Donc, je vais...